Bonjour, je vous propose de voir une série de vidéos concernant l'utilisation du tableur de l'ordinateur. D'abord, voyons comment ouvrir l'application sur un ordinateur de bureau. Tout d'abord, cliquez en bas à gauche sur le bouton Démarrer. Vous retrouvez ici l'ensemble des derniers logiciels utilisés. Donc, vous retrouverez évidemment votre tableur plus tard. Allez d'abord dans tous les programmes et voyez si votre ordinateur est équipé d'un tableur. Il en existe plusieurs. Le premier que nous pouvons voir est celui de chez Microsoft qui s'appelle Excel. On reconnaît son icône par un X vert dans un carré vert. Si je clique dessus, je vois apparaître le tableau du tableur. Je peux refermer cette application en cliquant en haut à droite sur le petit bouton fermé. Si je retourne dans le bouton démarrer en bas à gauche, puis dans tous les programmes, j'ai la présence d'un autre tableur qui s'appelle openoffice.org. Ce tableur est téléchargeable gratuitement sur Internet. En faisant un clic gauche, je vois apparaître l'ensemble des outils OpenOffice. Le tableur est celui qui s'appelle Calc. En faisant un clic gauche dessus, j'ouvre cette application et je retrouve l'équivalent du même tableur vu précédemment. Je peux alors le refermer en haut à droite sur le bouton fermé. Voyons maintenant comment créer un raccourci dans le bureau, car afin d'éviter cette démarche qui consiste à aller chercher systématiquement dans tous les programmes, je peux aller sur mon outil tableur openoffice.org calque et faire un clic droit sur cet outil. J'ai la fonction envoyer vers qui apparaît et je vais aller sur Bureau, créer un raccourci. En cliquant sur cette fonction, je crée alors un raccourci dans mon bureau qui me permettra d'utiliser plus rapidement mon tableur en faisant simplement un double clic dessus afin d'ouvrir l'application. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer. Essayez de faire la même chose sur l'ordinateur sur lequel vous êtes.